En la mesa. Nos encontramos al este de Francia, en Araby, en la cadena montañosa de Haut-Savoie. Desde aquí se puede contemplar el Mont Blanc, cumbre emblemática de los Alpes y uno de los picos montañosos más conocidos del mundo, cerca a la frontera con Suiza. Haut-Savoie es un departamento francés situado en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. Aquí se encuentra el pueblo de Abondance, cuna que da el nombre a la que es considerada la mejor raza rústica de montaña del mundo. Esta región también es muy conocida en la producción de quesos y el rebruchón es uno de ellos. Este queso fue uno de los secretos mejor guardados de Haut-Savoie. Se fabrica en la zona desde el siglo XIII. Es un queso elaborado con leche cruda de tres razas de vacas de montaña: la Abondance, la Tarantés y la Montbéliard. De la Abondance y del Rebluchón hablaremos en el programa de hoy con la familia Bruyère-Fabré, una joven pareja dedicada a la producción de queso en estas montañas con la leche de las vacas Abondance. También hablaremos con el técnico de la asociación de esta raza y con la responsable del esquema de la selección de la misma. Bienvenidos. La raza bovina Abondance y su relación con el queso rebruchón. Je suis agriculteur dans le massif des Arabies, en Haute-Savoie. Donc c'est un massif qui est proche, vous voyez derrière nous, on retrouve le Mont Blanc. Donc on est installé sur deux sites, une partie en vallée sur la commune du Grand Bornand où on passe notre hiver là-bas sur 7 mois, à peu près de début octobre jusqu'à fin mai. On est donc en vallée à 1100 mètres d'altitude. Ensuite, les derniers jours de mai, le début juin, on monte en alpage à 1600 mètres sur le site où on se trouve. Donc on est installé en GAEC avec ma conjointe, le GAEC des Pays de Savoie. On exploite à peu près 56 hectares pour un troupeau de, en moyenne, 53 vaches laitières. L'ensemble de la production est transformé à la ferme en reblochon fermier. Donc c'est une appellation typique de la Haute-Savoie. On décline en deux parties, le reblochon fermier et le reblochon laitier. Donc nous, le reblochon fermier, la particularité, c'est que c'est transformé 2 fois par jour. Sitôt après la tête, on procède à la fabrication. Donc ensuite, on exploite donc un troupeau de 53 vaches laitières abondance, à peu près 6900 kg de moyenne. Donc c'est la vache phare du coin, quoi. C'est la vache qui est née dans le secteur. Donc c'est une vache qui nous plaît parce qu'elle est à la fois rustique et elle permet quand même un bon niveau de productivité et qui a gardé quand même une certaine mixité. On valorise aussi bien les produits viande. Algunas características de la raza Abondance son: su tamaño mediano, 140 centímetros en promedio. El peso de una vaca adulta es de 650 kilogramos. El color de su piel es rojo caoba, pero su vientre es blanco. La cabeza es blanca con cuernos claros y relativamente largos. El borde de sus ojos y orejas son de color caoba oscuro, signo de adaptación al ambiente de montaña, donde la intensidad de la luz del sol es más fuerte. Las manchas oscuras en los ojos de estas vacas la protegen de las enfermedades oftalmológicas. Son animales de buena conformación ósea, patas sanas y fuertes,
adaptadas para recorrer grandes distancias. Se adapta bien a las variaciones de la temperatura. Son vacas longevas y con buena facilidad de parto. Sus ubres son bien equilibradas para no incomodar en los desplazamientos de la vaca por la montaña y para que no se descuelguen con la edad. Je m'appelle donc Sylvie Favre-Bonvin, je suis agricultrice au Grand Bornand, on vit en alpage donc en dessus du col des Aravis, donc avec un troupeau 100% abondance, en vue de produire uniquement du reblochon fermier produit à la ferme. Donc j'ai 41 ans, j'ai 4 enfants, je suis née ici, je n'aurais jamais fait autre chose, pour moi c'est une évidence. Niveau formation, on va dire, j'ai juste un bac agricole parce que je ne voulais pas pousser plus, moi je voulais travailler. Voilà, j'ai pas senti le besoin d'aller plus loin. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, je dirais que ça aurait été bien d'affiner ses connaissances au niveau fromagère ou autre. Bon, après, c'est comme ça, on a encore d'autres occasions qui se présentent. Donc, sur notre alpage, on valorise notre lait en production fromagère. Donc on produit un fromage qui s'appelle le reblochon. Il est dit fermier parce qu'il est produit avec l'unique lait de notre élevage. Ce fromage est, on va dire, assez connu en France. C'est la troisième AOC la plus répandue en France. AOC, c'est appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire, c'est un gage de qualité. C'est une appellation qui définit, on va dire, un secteur, une race pour le produire, à savoir trois races, donc Montbéliard, Tarine et Abondance. Ça définit un secteur, essentiellement la Haute-Savoie et une partie de la Savoie. Ça définit aussi une ligne de conduite, c'est-à-dire une façon de le produire, une alimentation qui est dirigée, du foin, de l'herbe, des céréales sans OGM. Voilà, après il existe deux sortes de reblochon fermier, donc le reblochon dit normal d'un grand format, 450 à 550 grammes, sauf que nous on fait un reblochon dit petit modèle, donc un minimum de 240 grammes jusqu'à à peu près 280. Pour situer un petit peu les choses, c'est un fromage qui est quand même assez ancien, on va dire qu'il est né à peu près au XIIIe siècle, il est né l'histoire d'une fraude. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, comment expliquer, les seigneurs et les moines étaient propriétaires des alpages. Donc ils venaient chercher la taxe qui était due aux paysans qui exploitaient ces terres. Donc comment récolter la taxe à cette époque, si ce n'est de se servir dans leur production. Donc l'idée est venue aux paysans de dissimuler une partie de leur lait, de leur beurre et puis autres productions pour payer un petit peu moins d'impôts. Donc ils se sont mis à traire les vaches qu'en partie. Et puis, sitôt les seigneurs ou les nobles partis, ils finissaient la traite. Donc, avec ce lait qui en résultait, eh ben, ils ont décidé d'en faire un fromage. Donc, un fromage, le reblochon. Reblochon, en patois, ça veut dire traire une seconde fois, reblocher. Donc, ça date du XIIIe siècle. La production a évolué tout doucement. On va dire que début du XXe siècle, il n'y avait encore que 40 tonnes à peu près de reblochon fermier qui étaient produites. Après est arrivé 58, donc la date de la naissance de l'AOC, une des premières AOC de France. Donc ça nous a protégés, ça définit ligne de conduite, mais ça nous définit, on va dire, une certaine qualité, un gage de qualité envers les consommateurs. Voilà, aujourd'hui, ça représente à peu près 130 exploitations qui produisent du reblochon fermier, à peu près 5000-5200 vaches qui serviront à ça. Donc bah ici, c'est essentiellement de l'herbe pâturée. Après, on ajoute tous les jours un petit peu de foin pour maintenir un bon transit sur les vaches et puis avoir une certaine régularité au niveau de la fabrication. Ce qui caractérise les alpages aussi, c'est que les vaches, il faut qu'elles soient adaptables parce que de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des fortes amplitudes. En l'espace de quelques jours, on peut passer de 4 degrés à 25 ou 30 ou... Et comme cette année, on est arrivé à des températures quand même à 1600 à 35 degrés en plein après-midi, c'est vraiment très rare. Et c'est vrai que notre race a cette capacité à s'adapter. Voilà. Après, la saison d'alpage, c'est des périodes où les vaches marchent énormément, quoi. Donc elles ont cette faculté d'aplomb, de très bons sabots, elles ont une aisance à se déplacer. Voilà. Après, nous, c'est un alpage qu'on pourrait classer encore facile. Après, il y a des autres endroits où l'abondance est présente, où c'est vraiment des plus hautes altitudes, comme on pense à nos voisins du Beaufortin, de la Tarentaise, tout ça, où l'abondance peut aussi participer à la production du Beaufort et qui monte facilement à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, elles ont vraiment une bonne aptitude à la marche.
Par contre, les vaches sont en bâtiment entravé, c'est-à-dire attachées. Chez nous, on les attache à peu près au 20 octobre jusqu'au 15-20 mai. Ça fait quasiment 7 mois à l'attache. Donc là, pareil, les aplombs, la locomotion, c'est très important pour qu'elles puissent passer un bon hiver et pas trop endurer cette longue période où elles sont finalement entravées. Donc l'hiver, pour l'AOP Reblochon Fermier, donc tout est régi par un cahier des charges. L'hiver, on a droit juste à de l'herbe séchée, donc foin et regain. Foin, première coupe, deuxième et troisième coupe de regain. Voilà. Et ensuite, pendant tout l'hiver, elles sont à ce régime-là, foin, regain, plus des céréales. Les céréales et puis des tourteaux. Donc la consommation totale de céréales et de tourteaux ne doit pas excéder 1800 kg sur la période sur l'année. Quoi. Voilà, donc on est contraint à ce niveau-là. Ensuite, pareil, sur l'origine des fourrages, on est obligé d'avoir une certaine proportion de fourrage issu de la zone de production du reblochon. Pour nous, une vache abondance, donc on aime déjà bien des vaches qui ont un peu de morphologie, qui ont une bonne capacité d'ingestion, qui vont avoir la capacité à valoriser tous nos fourrages grossiers, aussi bien l'herbe que le foin et le regain l'hiver. Ensuite, il faut vraiment des qualités de mamelles. Plus il y a des bonnes mamelles attachées hautes et des bons trillons, on s'aperçoit que des fois elles sont dans des terrains accidentés, tout ça, on ne pourrait pas se permettre d'avoir des mamelles, des volumes énormes, tout ça, pour éviter les blessures au niveau de la mamelle. Ensuite, les aplombs, ça c'est primordial, hein, c'est ce que j'énonçais avant, aussi bien pour la marche l'été que pour l'hiver, c'est cette longue station attachée debout, il faut quand même des vaches robustes. Voilà. Puis après, des vaches qui se reproduisent bien, automatiquement, parce que si une vache ne se reproduit pas, elle ne reste pas. Quoi. Donc ça, on essaye de faire attention. Après, on essaye de faire attention notamment par rapport à la consanguinité ou des choses comme ça, où on avait quand même une forte pression consanguine à l'intérieur de la race. On essaye de s'en écarter pour essayer de limiter ces problèmes, notamment de reproduction. Alors Jean-Philippe Chenet, je suis employé à l'OSRAR, c'est une association d'éleveurs de la race Abondance. Alors la race Abondance, c'est la quatrième race laitière française en termes d'effectifs, avec 25 000 vaches. Alors c'est une race qui est née dans les Alpes savoyardes, dans le village d'Abondance, c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle porte le nom d'Abondance. Elle a été reconnue comme race en 1891, c'est d'ailleurs cette année-là que l'association d'éleveurs qu'on appelait le Airbook s'est créée, qui est maintenant l'OSRAR. Alors 25 000 vaches au contrôle laitier, à peu près dans une grosse moitié sud de la France, là où en fait il y a des montagnes, là où elle est mieux adaptée. Et aussi elle se défend dans tout ce qui est production fromagère, puisque en fait l'une des grandes qualités de la race Abondance, c'est l'équilibre de ses taux, en taux bitureux relativement moyen, hein, aux alentours de 36, mais en taux protéique élevé, 33. Et c'est cet équilibre-là qui fait la fromageabilité du lait. Donc la race Abondance, elle s'étend, on va dire, sur toutes les régions un peu difficiles. On en trouve aussi dans le Massif central, on en trouve maintenant dans les Pyrénées. Son noyau central, c'est les Deux-Savoie, hein, puisque la moitié des effectifs, c'est la Haute-Savoie, le quart, c'est la Savoie, et maintenant, les 25% qui restent, c'est le Massif central, les Pyrénées. Par rapport à d'autres races, elle n'a pas une réserve génétique en dehors de la France, puisque tout le programme de sélection, depuis maintenant plus de 60 ans, a été mené sur une population française. Cette race, elle est capable de se déplacer, en montagne sur de longues distances. On peut le voir à la qualité de ses membres, en fait. Et puis aussi, c'est une race qui est capable de rester à l'état pendant plusieurs mois. Ici, l'hivernage dure 6 à 7 mois et dans la plupart des systèmes, les vaches sont en étable entravée. Ça veut dire qu'elles ne bougent pas durant l'hiver et la qualité de ses membres lui permet de passer cette étape-là. Donc, Laura Balberini, je suis responsable du pôle lait à Auriva. Donc, responsable du pôle lait, ça consiste à tout ce qui est construction, élaboration des offres génétiques de taureaux et la diffusion de ces taureaux sur nos coopératives adhérentes.
Donc pour moi, donc je suis responsable du pôle lait et notamment en race abondance où je suis responsable du schéma de sélection, c'est-à-dire la construction et l'élaboration de l'offre en race abondance. Et ma mission, elle est aussi de veiller à ce que la construction et l'élaboration de cette offre, elle soit en cohérence avec l'association Abondance que vous a présenté Jean-Philippe. C'est-à-dire qu'il faut que mes taureaux répondent à des caractéristiques raciales, mais également à des caractéristiques terrain, des besoins des éleveurs demain. Donc là, on est en alpage, des éleveurs ont besoin d'animaux qui durent, qui soient solides, donc il faut que mes taureaux correspondent à ces besoins-là. Et ensuite, pour moi, la race Abondance, c'est une race qui est très proche de son territoire. Elle est très proche de son territoire, pourquoi ? Parce qu'elle est, elle vient d'ici, elle est exploitée ici, on transforme son lait ici. Et les consommateurs sont très attachés au fromage, mais aussi au paysage et à la race en tant que telle. Donc pour moi, c'est une image très forte qu'il faut qu'on valorise au sein de nos taureaux. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on soit capable de présenter notre offre génétique de taureaux comme étant locale, de proximité et en lien avec les besoins des éleveurs. Et je pense qu'à l'international ou au niveau mondial, elle a aussi sa place parce que c'est une race qui est capable de s'adapter à n'importe quel système, puisqu'on peut avoir des systèmes très extrêmes avec uniquement du fourrage, des systèmes un petit peu plus poussés où on peut avoir du concentré. Mais voilà, c'est une vache qui s'adapte, qui est capable de marcher pendant longtemps, qui est capable de produire du lait malgré des situations difficiles et d'élevage difficile, qui est capable de faire un lait de qualité et donc de permettre de le valoriser en fromage, mais aussi des vaches qui ont, je dirais, de la carcasse, de la conformation et qui nous permet de les valoriser d'un point de vue viande et valeur bouchard. Moi, j'ai un cahier de fabrication où j'écris tout dessus. Donc j'écris combien exactement de fromage j'ai fait. Et puis, on va dire mon processus de fabrication, si ça s'est bien déroulé, si au contraire il y a eu des soucis, je note tout. Donc sitôt tout ça fait, je pose mon foncé dessus. Et ensuite, on vient disposer les pois pour commencer une première phase de pressage. On va laisser reposer tout ça. Et puis, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, je vais venir et je vais retourner tous mes fromages de cette manière. En fait, je ferai quelque chose comme ça. Hop, hop. Voilà. Là. Et je vais faire toute ma table comme ça. Voilà. On va dire qu'à peu près 6 heures après le moulage, on va commencer de les démouler. Donc, je vais tous les sortir de leur moule et je vais les disposer donc sur des clés inox en vue de les envoyer en saumure. Voilà. Ensuite, ma table est libérée. Je vais mettre laver tout mon matériel dans le bac. On lave la table et c'est reparti pour la fabrication suivante. Donc, l'avenir au sein de notre exploitation, disons qu'on est encore dans des secteurs où on vit encore notre métier, quoi. Bon, on a du travail comme partout, mais on a du travail, mais c'est ce que je dis souvent, on a envie, quoi. Je pense souvent à des collègues partout en France qui ont autant de travail, si ce n'est plus, et qui s'en sortent pas, quoi. Se lever tous les jours pour perdre de l'argent, c'est inconcevable. Donc nous, on a la chance d'avoir notre AOP là, qui tire le prix du lait et de pouvoir, le fait de transformer à la ferme aussi, on peut garder une partie de la valeur ajoutée, quoi, ce qui est important. Après, l'avenir à 5 ou 10 ans, donc, on est associé avec Sylvie, ma conjointe, on a 4 enfants qui ont de 13 à 8 ans. Bon, on verra la suite. Après, il y en a 2 qui sont assez animaliers, qui aiment beaucoup les animaux, mais bon... L'avenir le dira, quoi. C'est... Donc, les fromages sitôt lavés et retournés ensuite arrivent ici en cave. Donc ici, l'ambiance est beaucoup plus fraîche. On est à 13-14 degrés. Par contre, on maintient cette ambiance humide, c'est-à-dire qu'on mouille régulièrement les murs, on mouille un petit peu la terre au sol. Ça garde cette ambiance aussi de cave. Ça nous apporte une flore. Donc la flore s'installe tout naturellement sur les fromages. Vous voyez, on devine une petite pellicule blanche sur le tout et sur la surface. Donc c'est très bon signe. C'est tout à fait ce qu'on veut. On veut une croûte légèrement blanche. Donc à ce stade-là, on continue de les tourner encore tous les jours pour avoir une forme régulière, c'est-à-dire, vous voyez, là il est déjà en biais, quand je vais le retourner, de nouveau, il va se remettre tout joli. Je veux aussi que les deux faces, dessus et dessous, soient identiques, donc pour ça, il faut tourner tous les jours. Ensuite, je les passe en planche d'épicéa, c'est-à-dire que je les installe de cette manière,
on va sortir une planche. Alors, la planche d'épicéa, bon, d'une part, elle est obligatoire donc, sur le cahier des charges, mais aussi, elle nous apporte quelque chose, c'est-à-dire que cette ambiance de bois régule l'humidité du fromage. Donc là, je vais les tourner déjà un petit peu moins souvent. Vous voyez, ils ont une croûte déjà particulièrement sèche. Ça se passe très bien. Je les surveille parce qu'il peut encore y avoir des taches. Il peut y avoir encore un petit duvet qui s'installe dessus et je ne le veux pas. Donc, moi, on me demande un fromage blanc, uniforme, pas de taches, bien rond. Pour que le consommateur, on va dire, sache exactement ce qu'il va trouver quand il va déballer son fromage. Donc nous, notre rôle, c'est de produire. On livre deux fois par semaine. L'affineur finit l'affinage du fromage. Exceptionnellement, on garde quelques fromages à la maison. On va dire déjà d'une part pour notre consommation personnelle, pour suivre, on va dire, notre processus, voir si tout va bien et surtout si ça nous convient. Et puis aussi pour les petits plaisirs de quelques personnes qui passeraient par là. Donc ils sont pliés de cette manière, on les plie et remarquez qu'on a toujours cette petite plaque d'épicéa dessus et dessous le fromage pour réguler son humidité. Voilà, là on voit qu'il est très affiné, il a le cœur qui est vraiment très très souple, il est prêt à déguster. Voilà. Après c'est joli, nous on aime bien le son des cloches, tout ça. Et c'est marrant, après on s'habitue. Bah c'est vrai qu'en pleine journée, même sans les regarder, on entend les cloches, on dit tiens, bah elles sont debout, elles remangent. Ou on entend quand il y en a une en chaleur, comme les deux là-bas, qui, quand ça brasse beaucoup, on dit tiens, il faut qu'on regarde, je pense qu'il y en a peut-être une en chaleur ou des choses comme ça. Et puis après, on en est au petit groupe de vaches taries ou de génisses qui sont un peu plus dans des parcelles éloignées, tout ça, qu'on voit de plus loin. Alors ça permet des fois de les repérer si on va les chercher. Il y a des secteurs un peu en bord de bois, tout ça, qui sont assez vastes. Donc, bon, un petit coup d'oreille, on entend, elles sont là. Et voilà. Mais c'est. Ouais, on se verrait pas sans cloche à la montagne. Ça nous permet ouais, vraiment de suivre au fil de la journée l'activité du troupeau. Quoi. Même la nuit, hein, quand elles sont à côté de la maison. S'il y en a une en chaleur, il n'y a pas de problème. On sait que le lendemain, il faut être vigilant, on repère. C'est vrai que. Ce qui devient choquant, c'est le. Comment expliquer ? C'est le rapport qu'on a avec la société, quoi. C'est vrai qu'il y a seulement 10, 20 ou 30 ans, les gens avaient toujours ce rapport à la terre. Même en habitant en ville, on avait toujours encore une racine paysanne. Et maintenant, nous, on le voit, c'est un secteur, il y a beaucoup de gens. En plein été, il peut y avoir 1000 personnes sur le chemin, là. Et ils ont perdu carrément la relation à la terre, quoi. Ils y comprennent rien. C'est pas choquant, mais c'est inquiétant, quoi. Ce manque de relation, il y en a qui vont venir, qui supporteront pas le bruit des cloches, quoi. Ils viennent en montagne, c'est pour être au calme, mais non. La montagne, déjà, c'est les vaches, c'est nous. Le jour où il n'y a plus ça, ben, il n'y a plus de montagne.